Bon, Marc Phillips, euh, voilà pour resituer un peu dans le temps, c'est quelqu'un qui est né en 1947. Euh, qui est passé par une, une expérience un peu traumatique au sens où il a vu sa mère accidenter et perdre une partie de ses capacités euh, au niveau du cerveau. Mmh. Euh, voilà, donc, un accident de cheval. Voilà, un accident de cheval. Et donc euh, quand il est devenu adulte, il s'est énormément passionné pour le, les recherches sur le cerveau, sur le fonctionnement du cerveau et ces choses-là. Et il a travaillé un, un certain nombre de temps dans un centre de primatologie aux États-Unis où ils étudiaient les, les comportements des singes pour en faire des, des parallèles ensuite euh, sur le, la, la définition des comportements humains. Enfin, c'est tout ce qu'on fait toujours sur les, sur les centres de primatologie et comment les animaux réagissent à certains faits, à certains événements. Et donc il était au courant d'un certain nombre de recherches qui n'étaient pas forcément publiques de la part de... Euh, du gouvernement américain et il était euh, tenu à un, un devoir de réserve euh, déjà à l'époque. Donc euh, euh, il était de fait, il faisait partie de la CIA, puisqu'on a dû en fait l'englober dans l'entité le, dans CIA euh, du fait qu'il y avait un certain nombre de secrets à garder. Et c'est donc pour ça qu'on le définit comme ex-agent de la CIA. Mais ce n'est pas tant au sens ouais. où on entend un agent vraiment actif faisant mmh. des missions et des choses comme ça. Oui. C'est parce qu'il avait accès, en fait, à des, des dossiers relativement secrets euh, du gouvernement américain, notamment sur des recherches euh, en termes de primatologie, oui. en l'occurrence. Bon Et à savoir, comme beaucoup d'Américains qui sont capables d'avoir deux, deux boulots, oui. euh, lui, il avait aussi -à -dire un travail qui a pignon sur rue. Voilà, il a, il a, il a, il a, il a du... bossé après. Ouais, il, a, il a tenu lui-même... Euh, il a eu des entreprises, euh, il, a, il a même été, euh, là on va y arriver assez rapidement, associé finalement à un des maîtres de Cathy O'Brien, euh, voilà. tout à fait par hasard, euh, d'où es parti, est partie toute justement toute la l'histoire. Un, un, un type mmh. qui lui aussi avait une triple casquette, alors qu'il était agent de la CIA, mmh. mais ventriloque. Hein alors là, on parle de euh, Alex Houston, ouais. hein, qui est donc euh, un des premiers maîtres de l'esclave cathy O'Brien, mm -hmm. euh, qui avait aussi, évidemment, comme tu viens de le dire, plusieurs casquettes. Donc, il était ventriloque, c'est-à-dire qu'il se produisait euh, dans le monde de la country music ouais. euh, en, en faisant des spectacles de, de, de ventriloque. De, de et aussi, euh, euh, il hypnotisait les foules, comme on a connu ça en France avec voilà. certains une époque, ouais, ouais, ouais. il y avait ces hypnotiseurs de scène qui endormaient une voilà, salle entière. Ouais, ouais. Voilà, c'était un, un peu le boulot voilà. de, de donc, Houston. Vous pouvait expliquer que la sphère <laughs> est assez complexe, parce qu'on rentre dans le monde, dans l'industrie aussi, hein, euh, là-dedans. Mm. On va rentrer dans le monde de la poétique, dans le monde de la drogue et dans le monde, malheureusement, de la pédophilie. Parce que mm. euh, lui, Mark Phillips, a rencontré donc dans son parcours euh, Cathy O'Brien qui est une victime, vraiment, euh, à son corps défendant, euh, des pires abominations qu'on puisse faire en matière de manipulation de l'esprit. Alors, il faut savoir qu'en préambule, finalement, euh, euh, on sait très bien que le projet Paperclip Clip a permis aux Alliés de rapatrier euh, les éminents savants, euh, physiciens, astrophysiciens allemands, nazis. Nazi, oui pas que dans ce domaine-là, aussi dans, dans le domaine voilà, de la suggestion. On est, on est, oui, tout à fait. On est au courant généralement de, du côté euh, technologie des fusées, avec Werner von Braun et un certain nombre d'autres scientifiques nazis qui travaillaient sur ces, les armes secrètes allemandes. Mais il y avait aussi tout l'aspect des, des scientifiques, mais je ne sais pas si on peut encore leur donner ce, ce qualificatif-là, qui travaillaient sur l'esprit humain et qui, eux, ne travaillaient malheureusement pas dans des centres de primatologie, ils travaillaient sur un... un, un Matériaux, si je puis m'exprimer ainsi, euh, directement humains. Hein, ouais. ils, avaient, ils avaient pratiqué ces recherches dans les, dans les camps de concentration et autres. Euh, et ils avaient donc une, fait un, pas mal de découvertes ouais. sur le fonctionnement du cerveau humain. Ouais. Et donc, les Américains ont, ont importé... Euh voilà. Ce, ce, ce voilà. savoir, ces voilà. deux, et l'ont euh, appliqué très rapidement euh, dans leur service secret euh, pour, pour de multiples raisons, d'abord à titre expérimental et puis après à, à titre euh, carrément fonctionnel. Oui, il y a cet aspect-là. Il euh, faut quand même savoir que les, les États-Unis se sont interrogés finalement avant les autres nations sur la façon de euh, contrôler, le mot est peut-être un peu fort, mais en tout cas d'avoir une action sur les masses pour faire fonctionner ce qu'on appelle, mais qui à mon avis ne mérite pas vraiment ce mot-là, la démocratie ou la société dans son ensemble, sans qu'il y ait trop d'anicroches, de difficultés et de choses comme ça. Euh, donc ça fait que dans les années euh, 50... Ils avaient donc déjà tous ces, tous ces savants nazis qui étaient chez eux, et ils ont décidé de faire des recherches beaucoup plus poussées sur le contrôle de l'esprit, voire le contrôle des masses. Et donc c'est à partir de là que sont nés euh, les programmes MK, MK Ultra, euh, euh, dont le projet Monarch, dont il est question dans le livre, fait partie, euh, qui était une immense entreprise pour savoir comment contrôler parfaitement un ou des individus. Alors, bon, le décor est planté. Euh, le personnage central de cette histoire vraie euh, se nomme Cathy O'Brien euh, et sa fille, hein, parce qu'elles sont et tristement fille, associées ouais. bien sûr ouais. à cette euh, entreprise glauquissime. Cathy O'Brien a eu la malchance de l'être dans une famille euh, où le père était pédophile, et on apprend finalement que euh, les ombres de, de la CIA euh, recrutent beaucoup chez ces enfants victimes de pédophilie. Oui, parce qu'ils se sont aperçus, enfin je pense que c'était plutôt les, les résultats des recherches nazies qui s'étaient en fait aperçus de ça, que sur les familles où la, la pédophilie ou un certain nombre de sévices étaient reproduits de génération en génération, euh, on avait une conformation mentale. Euh, des, des enfants qui naissaient euh, les uns après les autres au, au cours des générations, euh, qui étaient particulières et qui pouvaient intéresser justement euh, le fait de facilement pouvoir rentrer dans ces esprits-là pour les contrôler. Mmh. Hein? Donc euh, Cathy Ebrienne, comme tu viens de le dire, est née dans une famille euh, pédophile. Euh, pédophile du père et la mère elle-même ayant été de son côté abusée euh, dans, des, dans des relations incestueuses. Euh, ce qui faisait déjà d'elle, euh, quelque part, euh, une personne repérable pour euh, les expériences gouvernementales américaines. Son père l'a donc abusée quasiment dès sa naissance euh, et à partir du moment où elle a eu, euh, je crois que c'était entre 5, 5 et 8 ans, euh, le gouvernement américain s'est intéressé à elle et donc son père l'a littéralement, euh, on va dire, vendue vendu. hein, vendu au gouvernement américain pour, euh, pour toutes ses expériences. Voilà, c'est là qu'a commencé toute l'histoire. Voilà, il faut savoir que le but du jeu, en fait, est de fractionner le cerveau en multiples cases. En multiples mmh. personnalités, mmh. pour faire d'abord euh, de ces femmes des jouets sexuels, mmh. mais également des espèces de clés USB vivantes, finalement, dans lesquelles mmh. on peut stocker des données, mmh. qui vont être des messagers vraiment euh, parfaits, puisque euh, personne même sous la torture peut avoir accès à leurs données. Il suffit d'avoir la phrase magique, finalement, le code magique pour. Le déclencheur, euh, déclencheur en fait, hein, pour qu'elles puissent informations. Alors, bon, sur le volet d'abord, euh, on va dire préparation, euh, mmh. on, on est dans vraiment la torture. Voilà, donc le, le but c'est euh, euh, d'impulser un trauma, un trauma très violent sur la personne pour que euh, le cerveau en arrive au point qu'il ne puisse plus gérer l'horreur de la situation. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il y a comme une, une coupure de courant. Et la conscience bascule dans une autre personnalité. C'est-à-dire que tout d'un coup, elle n'a a plus conscience de ce qui se passe et elle se réfugie dans une autre personnalité. Donc, là, à partir de ce moment-là, effectivement, on, on le, le, la, la, la personne, l'esprit de la personne en, en divers, diverses personnalités. Qui peuvent être aussi caractérisés pour divers types d'opérations. Hein, on parle de drogue, on parle de. Euh, Cathy O'Brien, elle a été aussi euh, en, en quelque sorte messagère euh, dans, le, dans, le, dans le cadre de relations diplomatiques. Voilà, on peut lui faire faire des tas de choses. Donc, ça, c'est le cas de Cathy O'Brien, mais il faut savoir que dans le domaine militaire, on peut aussi conditionner des soldats de la même façon. Mm -hmm. Il hein, euh, y, y a beaucoup de, de techniques comme ça. D'ailleurs, sa mort <laughs> était programmée dans le cadre d'un snuff movie. Voilà. Elle ouais. en avait parfaitement conscience. Euh, on lui disait même, bah, tiens, la semaine prochaine, tu vas mourir. Mais finalement, enfin, elle en avait conscience. C'est pas le terme exact. C'est-à-dire qu'elle entendait effectivement ces paroles-là, mais elle n'était pas capable de se représenter ce que ça voulait dire. Mm -hmm. euh, ce qu'il faut bien savoir, ce qui est important de savoir, c'est que l'âge de 30 ans est important dans le développement humain puisqu'il semblerait que ce soit l'âge auquel se produisent des tas de transformations au niveau chimique dans le cerveau qui font que euh, souvent euh, s'opèrent des changements dans la vie des gens. Enfin, si on regarde en général autour de nous, la trentaine, autour de 30 ans. Euh, certains d'entre nous voire beaucoup d'entre nous ont vécu une, une transformation qui fait que leur vie est passée à autre chose euh, et voilà Mais ce qui donnait aussi les limites euh, de contrôle technologique sur la personne, à partir du moment où le cerveau lui-même opérait de lui-même un changement qui faisait que tout était brouillé à partir de là. Et donc je crois qu'il n'y avait plus moyen euh, d'agir euh, de façon, euh, contre, enfin de, de contrôler le cerveau de la personne qui échappe. À toute, toute possibilité de contrôle. Ce qui fait que tous ces esclaves euh, ou, ou euh, personnes sous contrôle, à partir de 30 ans, étaient euh, soit euh, tout simplement euh, supprimés, euh, soit recyclés euh, dans ouais. d'autres domaines. Voilà. voilà. Bon. Et il faut dire qu'à travers son, son aventure, sa vie à Cathy O'Brien, eh bien, on va croiser les, les plus grands noms de la politique, tout d'abord les présidents des États-Unis. Quasiment tous. Euh, voilà, c'est ça qui est assez euh, ahurissant, parce que finalement, on connaît tous un peu l'histoire des États-Unis, on, on a des, des souvenirs récents d'avoir vu euh, les, les présidents des États-Unis à la télévision, des gens comme Clinton, des gens comme Bush, Père, euh, des gens comme Ronald Reagan euh, et autres. Gérald Ford. Gérald Ford, tout à fait. Euh, et à travers le livre, on découvre des personnages qui n'ont absolument rien à voir avec l'image publique qu'ils ont, ce qui est. On peut dire souvent le cas finalement pour les gens publics en général, sauf que là l'image est vraiment totalement différente, c'est-à-dire que on passe de gens qui ont l'air en public relativement normaux, voire même plutôt bien dans leur rôle de président, et donc on découvre que ce sont de l'autre côté des monstres. On a le, le cas de Bush-Père qui est un épouvantable pédophile, Clinton qui est un, un trafiquant de drogue oh, yeah. et un assassin tous azimuts puisque il n'hésite pas à avoir même des listes de gens à abattre même à l'époque où il était gouverneur de l'Arkansas. La, euh, on découvre Gerald Ford qui était une espèce de roi du porno, ouais. un, un porn king comme ils disent aux États-Unis. Dire qu'il travaillait dans l'industrie de la pornographie euh, et qu'il avait une place tout à fait prédominante dans ce dans ce milieu-là, ce qui est quand même ahurissant, ouais, ouais, ouais. en sachant que c'est quelqu'un qui lui euh, n'a pas été élu puisqu'il a euh, remplacé, remplacé en fait euh, Nixon, Nixon à l'époque euh, où celui-ci a dû euh, démissionner. Ouais. Après le Watergate. Voilà. voilà après le Watergate. On est devant des gens sans scrupules. Et même ouais. d'un Ronald Reagan qui, finalement, pour un petit peu paraphraser ce que tu disais tout ouais. à l'heure par rapport à une démocratie qui doit fonctionner sans ambre, lui, ça l'aurait bien arrangé, finalement, cette espèce d'angélisme-là, où finalement, il n'y a rien qui dépasse, quoi, dans la société. Oui, même s'il n'est il est pas le, il est pas le est seul pas le dans pire, ce cas-là. Mais, bon, ouais. euh, mais euh, c'est quelqu'un qui est profondément convaincu, finalement, que ça ne peut fonctionner que comme ça. Et donc c'est des gens parfaitement à l'aise dans ce, dans ce fonctionnement, en sachant que que tout ça va faire d'énormes dégâts euh, au niveau de la société, euh, au niveau euh, des guerres, au niveau d'un tas de choses, euh, d'événements euh, qui, qui, qui se produisent dans les sociétés humaines. Mais euh, ils ont décidé quelque part que c'était la seule façon euh, de, de, que, que tout ne, ne parte pas euh, en révolte euh, ou, ou autre chose. Et, et on découvre finalement euh, euh, aussi à travers sa vie, son témoignage, la manne. De la CIA qui nous vient de la drogue Alors, ça, c'est. <laughs> Aujourd'hui, c'est presque plus un scoop de ouais. le dire hein, que, que la CIA organise une grande, grande, grande partie du trafic de drogue. Euh, C'est sorti aux États-Unis, ça, euh, notamment avec euh, un journaliste euh, dont j'ai publié le bouquin aussi traduit, qui s'appelle Michael Rupert, qui avait été un des premiers, euh, après d'autres, hein, mais qui avait eu des tentatives plus timides. Mais lui, il avait vraiment euh, ouvert sa gueule, comme on dit sur le sujet, en disant que c'était la CIA qui organisait le trafic de drogue que la « reconquête » entre guillemets de l'Afghanistan n'avait été là que pour refaire fonctionner les champs de pavot et réapprovisionner les stocks de drogue. Alors, pour info, euh, il est vrai que partout où les États-Unis sont intervenus, la production de drogue a été multipliée par quatre. Absolument, tu, tu es tout à fait bien renseigné. À chaque fois que les Américains sont intervenus à l'étranger, le marché de la drogue explose. Alors, on rappelle qu'il ne s'agit pas d'un roman. On rappelle que c'était une histoire vécue. Et le problème, bah, c'est que ces, ces deux personnes ont été obligées de se cacher, de fuir. Ouais, ouais, ouais. euh, D'abord, comment est-ce que Marc Phillips a réussi à sortir Cathy O'Brien de son enfer Alors, c'est euh, ce qu'on racontait tout à l'heure. Marc Phillips avait rencontré par hasard Alex Houston, qui était donc le, le maître de Cathy. Je dis le maître, hein, je voulais préciser juste une petite digression. Dans le texte anglais, le terme, c'est handler. Alors un handler, c'est même plus un, un dompteur d'animaux hein, pour donner un peu l'idée du, du, du concept qui est utilisé. C'est-à-dire on a vraiment quelqu'un qui est totalement sous contrôle avec un maître comme on parlerait d'un maître pour un chien ou pour un lion ou pour un éléphant, etc. D'accord. Voilà. Et euh, donc euh, il rencontre par hasard Alex Houston et c'est à partir de là qui l'a découvert Cathy, euh, qui était donc la femme, euh, puisqu'elle était officiellement la femme d'Alex Houston à l'époque, et donc il découvre Cathy. Euh, il fait assez peu de cas de cette rencontre au début, puisqu'elle est, elle est véritablement attifée comme une prostituée, elle a pour lui une apparence très vulgaire, euh, il n'a pas spécialement d'atome crochu avec cette femme, euh, qu'il cherche plutôt à, à, à pas à fuir, mais enfin, il cherche pas forcément à rentrer en relation avec elle. Et c'est à partir du moment où il découvre effectivement ce que Cathy vit avec sa fille dans les griffes d'Alex Houston et tout ce, ce, ce contexte de l'opération Monarque euh, qu'il est littéralement pris, pris de dégoût pour ce, ce, ce genre d'action. De, de, et qui décide quelque part de sauver cette femme et de sauver sa fille de l'emprise de l'opération Monarque. Cathy O'Brien s'en est sortie, mais pas sa fille. Kelly les suit quand même dans leur fuite en Alaska, comme je le racontais juste avant. Mais Kelly reste marquée par sa programmation qui a employé d'autres moyens. C'est-à-dire que Kelly a été conditionné et programmé par des moyens technologiques, notamment par la, la technique des harmoniques. Ah. Bon, moi, j'ai, euh, d'un point de vue connaissance personnelle scientifique sur le sujet, j'ai pas vraiment euh, une vraie connaissance du dossier, mais il semble qu'on puisse, euh, comment dire ça, euh, conditionner des, des chemins neuronaux, euh, des... des les circuits qu'utilisent, on va dire, les, les neurones, euh, d'une certaine façon, avec la technique des harmoniques, c'est-à-dire qu'en émettant un certain nombre d'harmoniques, on peut canaliser littéralement le fonctionnement du cerveau. Donc Kelly a été euh, euh, programmée sur ce mode-là. Alors entre autres choses, hein, j'imagine qu'il y a eu d'autres types de techniques, euh, mais très, euh, très technologiques quelque part. Alors que Cathy O'Brien elle-même, c'était plus on avait des traumas euh, physiques et physiologiques. Euh, on, la, on la torturait, on la faisait souffrir pour créer ces traumas. Tandis que Kelly, elle, euh, a subi ce type de torture technologique. Euh, quasiment, euh, je crois même que c'était dans le ventre de sa maman déjà. Ouais. Euh, donc ce qui faisait que c'était tellement incrusté, implanté en elle, il n'y avait plus de moyens, euh, on va dire, psychanalytiques pour faire vite. C'est-à-dire qu'une personne peut être amenée à se déprogrammer en faisant un travail sur elle-même. Mais dans le cas de Kelly, euh, c'est ce qu'ont tout le temps cherché à trouver euh, Marc et Cathy par la suite, il fallait des moyens technologiques pour la déprogrammer. C'est-à-dire, en fait, contrer ce qui avait été créé par la technologie dans le cas de Kelly. Donc c'est ça qui fait toute la différence. Euh, je ne sais pas toujours à l'heure d'aujourd'hui, euh, puisque je suis quand même toujours en relation avec Marc et Cathy, dans la mesure où j'avais publié leur livre, traduit leur livre et publié. Euh, ils, ont plus beaucoup, euh, ils donnent plus beaucoup d'informations sur Kelly, euh, dont il semblerait qu'elle soit dans une espèce de statu quo euh, de ce côté-là. Alors, quel type d'existence elle mène, je n'en sais rien. Euh, le à la limite, le plus formidable, ce serait de les faire venir en France ouais. pour qu'ils nous racontent eux-mêmes euh, ce qu'il ouais. en est aujourd'hui de, de Kelly. Ah, que, quelle vie ils ont maintenant, euh, Cathy et Marc Alors aujourd'hui, euh, Cathy a la, le statut officiel de lanceuse d'alerte, ce qu'on appelle le whistleblower en, en anglais, qui est un statut tout à fait euh, défini et administratif euh, de la nomenclature américaine. Hein, vous êtes lanceur d'alerte. Donc, vous avez un certain nombre de droits, un certain nombre de choses à respecter euh, pour garder et conserver votre statut. Euh, Marc euh, a, je pense, aussi le même statut. Et donc, euh, ils ont toujours cette activité de diffusion euh, de ces informations. Ils font euh, des toujours des conférences. Euh, ils interviennent relativement souvent. Je pense qu'ils vont aussi voyager, enfin qu'ils voyagent à l'étranger. Je sais qu'ils vont assez souvent en Allemagne. Donc là, par contre, je n'ai pas pu avoir tellement plus d'informations. Marc Félix m'a dit qu'ils allaient régulièrement en Allemagne parce qu'il travaillait lui-même là-bas, dans des hôpitaux allemands. Sans doute sur des cas de, de, de contrôle de l'esprit, ou en tout cas pour aider à déprogrammer des gens euh, ayant subi ce genre de choses, parce qu'il est reconnu euh, au niveau mondial comme un spécialiste de la question. Mais enfin, il m'avait dit que c'était euh, pas du tout officiel, qu'il fallait à la limite pas trop euh, développer euh, sur cette affaire, puisqu'il tenait à garder un peu le secret. Alors, du coup, ça m'a une question c'est-à-dire que ces pratiques ont aussi eu lieu en Europe alors, il me semble évident, alors là, je ne dirais, dirais pas que c'est pure hypothèse, parce qu'on a, on a quand même des retours de témoignages, notamment en France, euh, notamment à la suite de la publication du livre, euh, de gens qui reconnaissaient quelque chose dans le, dans le phénomène. Donc on peut imaginer, enfin... Ça me semble tellement évident que euh, si on imagine que tous ces gouvernements euh, fonctionnent euh, sur une espèce de tronc commun, que chacun a évidemment une spécificité euh, nationale, comme il existe des drapeaux pour chaque ouais. pays, mais qu'en gros ce genre de connaissances, via les services secrets, Peut se disséminer dans, dans tous les pays du monde. Donc on peut très bien imaginer qu'il existe ça en Europe, qu'il existe ça en Russie, en Chine, etc. etc. Alors ça nous ramène finalement à l'affaire Karen Muller en, en France que voilà. l'agence Elite, voilà. où, qui sont d'ailleurs, la vidéo est toujours visible sur Internet, ouais. avait euh, justement, été obligé de faire une espèce de mélange de mea culpa, de coming out, en disant, voilà, euh, Karen Mulder, on l'a reçue, on a été obligé de censurer parce qu'elle nous parle d'un complot euh, mondial euh, mm, mm, euh, bah, mm, qui, qui est carrément, finalement, copié-collé de mais ça. Mais finalement, oui, c est, c est... je veux dire, Karen Mulder raconte ce que Cathy O'Brien, ce dont Cathy, euh, Cathy a témoigné. Mmh. Donc, euh, genre, moi, je suis absolument pas surpris de ça. Il faut savoir que ce livre a été édité, dans sa version anglaise aux États-Unis, à 15 reprises, hein, et 15 rééditions. Il y a eu 15 rééditions depuis la, la première parution euh, qui s'est faite dans les années 90, je sais plus l'année exacte. Euh, donc c'est un livre qui a eu beaucoup de succès. Il faut savoir qu'au début, quand ils ont donc imprimé le livre qui était en soi dans la forme, un, un dossier qui était destiné à être distribué et qui a été distribué à tous les membres du Congrès américain. -dire tous les membres du Congrès américain ont reçu un package qui comprenait l'histoire, le récit de Cathy O'Brien, le récit autobiographique de Cathy O'Brien, plus un certain nombre de documents euh, déclassifiés, euh, de preuves euh, écrites euh, sur, sur un tas d'éléments de son dossier. Et donc, ils ont décidé d'en faire un livre dans le cadre de conférences qu'ils avaient organisées. Et c'est à partir de là qu'ils ont euh, distribué le livre dont ils parlaient directement. Et qui a connu un succès dans les sphères dans lesquelles ils intervenaient. Mais on ne peut pas parler d'un succès national au mmh. sens où c'est une info qui aurait été diffusée par toutes les grandes chaînes ouais. de télé américaines. Ouais, coast to coast, quoi. <laughs> on imagine bien, oui. Euh, Est-ce que ça a changé les choses aux États-Unis, ces films, ce livre je pense que ça a changé des choses, et ça c'est plus raconté dans le, le volet qui suit ce, cet opus-là, euh, au sens où il y avait déjà un énorme problème avec les abus sur les enfants, euh, donc le problème de la pédophilie. On trouvait des tas de parents euh, qui étaient absolument désespérés et qui ne savaient, savaient plus à qui s'adresser, puisque toutes ces affaires étaient systématiquement étouffées. Euh, la justice bottait en touche. Donc toutes les victimes euh, se retrouvaient euh, en général avec leurs bourreaux. Et les parents qui assistaient impuissants à ça euh, étaient euh, à la limite obligés d'intégrer des espèces de réseaux underground. Pour essayer de s'en tirer plus ou moins. Mais ça restait quand même très timide. Et quand Cathy O'Brien est venue témoigner sur son histoire, et évidemment, puisqu'Alex Houston était lui-même mouillé dans ouais. des tas d'histoires d'affaires de pédophilie, dans des orphelinats et des choses comme ça. Et ça a permis à tous ces gens-là de trouver enfin une espèce de, de, de tête d'affiche qui allait pouvoir ouais. un peu parler en leur nom. Ça nous fait penser un petit peu à ce qui se passe en Angleterre avec cet animateur. On a l'impression que ça fait les mêmes réseaux, finalement. Mais ce c'est pas, pas des réseaux fondamentalement différents. Enfin, bon, la, la pratique est hélas exactement la même. Mais ce qui est aussi très semblable c'est que ça touche beaucoup d'élites Ouais, on n'est pas, pas dans un cadre euh, populaire euh, pauvre où ouais. les gens sont dans une proximité telle que finalement euh, ils en arrivent à, à abuser leurs propres enfants. On est très 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 éloigné de ça. Ce que voudrait nous faire croire finalement euh, une, une certaine version officielle, on est dans des élites qui sont à mon avis sur un schéma euh, d'abus de, 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 d'enfants sur plusieurs générations. Si on prend les grandes familles royales, euh, des grandes familles de la, de la très grande bourgeoisie ou de l'industrie, euh, on a là certainement des pratiques en termes de relations euh, familiales euh, qui se reproduisent depuis très longtemps et qui font que ces gens-là ne connaissent rien d'autre. Donc finalement, ils sont aussi amenés à chercher des victimes ailleurs, d'où l'histoire du fameux euh, Saville euh, en Grande-Bretagne, cette espèce de. De stars de la TV euh, euh, qui euh, avait les clés de je ne sais plus combien d'établissements psychiatriques euh, où il venait lui-même abuser euh, les enfants. Enfin, il y a des, des tas de gens ont développé euh, les recherches là-dessus. Mais euh, en tout cas, oui, c'est un phénomène absolument international. On n'a juste là qu'un exemple concret, mais on peut trouver dans tous les pays du monde euh, des choses euh, d'un degré aussi abominable. Chapitre 19, euh, on, on parle entre autres du fameux Bohemian Grove, il hein, faut savoir, c'est une espèce de partie de campagne. Euh à laquelle se livrent chaque année euh, les, les, les grands. Euh, alors, on trouve des gens du Skull and Bones, euh, on retrouve mmh. les, des présidents des États-Unis, on retrouve mmh. des, des présidents français aussi, euh, euh, des oui, gens oui, de l'industrie, oui. enfin, oui, oui. tout le gratin. Tout dans, le gratin, oui. Donc, ils se retrouvent une espèce de messe noire. Notamment des rituels aussi. Mmh. Hein, ça, ça a été déjà relevé. Ça a été films qui, ont, qui ont filmé, notamment. Et, et bon, elle en parle, euh, on, on y croit d'un certain Bill Bennett, hein, et elle dit Bennett avait également manipulé mon esprit conformément aux ordres du Vatican via le centre de programmation de la faculté jésuite de Bird en Virginie occidentale. Alors c'est là qu'interviennent ce qu'on qu ne soupçonne pas souvent et ça va sûrement faire grincer énormément de dents, c'est le rôle des jésuites dans cette affaire de, de, de contrôle mental et d'opérations gouvernementales, en tout cas de recherche sur le sujet. Mmh. Euh, il semblerait que les jésuites, bien avant que les Américains se soient intéressés au sujet, les jésuites avaient déjà toute une nomenclature euh, de techniques de contrôle de l'esprit. Euh, Cathy O'Brien évoque ça de temps en temps, euh, alors notamment dans le deuxième opus qui suit celui-là, où elle raconte très bien comme, euh, comment, à partir du moment où elle-même s'était libérée, se trouvait donc en, en cavale quelque part avec Marc Phillips et croisait quelquefois euh, des agents du FBI qui, de, qui essayaient de remettre le, 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 le grappin, si je puis permettre, sur, sur Cathy O'Brien et qui, face à elle, euh, faisaient des tas de gestes. Et elle décrivait très, très précisément, elle disait que c'était une gestuelle jésuite. C'est-à-dire que c'est les jésuites qui possédaient ce genre de technique et qui le transmettait euh, de, de génération de jésuites en génération de jésuites. Mais il semblerait que ce soit déjà assez ancien. D'accord. Donc quand oui. on parle de contrôle de l'esprit, il serait euh, sûrement très très intéressant de faire des recherches sur le sujet dans la sphère jésuite. Hein. Donc ça c'est un, un sujet que je propose à, à de futurs investigateurs. Mmh. Euh, les mormons avis, aussi les sont... Alors il y a aussi chez les mormons, alors là c'est plus des, des pratiques familiales, hein. Je me souviens d'avoir vu récemment une interview de Cathy et Marc qui date de 2014, où ils étaient en compagnie d'une jeune fille qui, elle, avait été arrachée à son milieu mormon. Et elle racontait aussi très bien que, apparemment, l'abus la, des enfants, notamment dans les relations incestueuses, était une pratique tout à fait courante. Donc on imagine bien que, du coup, les enfants des mormons constituent aussi une espèce de vivier ouais. pour ce genre d'expérience. Dans ses pérégrinations à travers euh, les États-Unis, euh, elle a voyagé dans toutes les sphères, finalement, du pouvoir, euh, les sphères secrètes aussi, des bases militaires, des bases de campement. Et voici ce qui est dit Shasta, donc c'est un camp secret hein, américain, Shasta est le plus grand camp secret d'esclaves pour ce qui était du contrôle de l'esprit. Dissimulé dans les collines boisées, une clôture militaire en plus de militaires robotisés à l'esprit sous contrôle que je n'en ai vu dans tout haïti ainsi qu'une immense flotte d'hélicoptères noirs dépourvus d'immatriculation cette activité militaire secrète suivait son propre agenda pas celui de l'amérique on m'a dit Information que j'ai également entendue malgré moi, que c'était l'une des bases des futures forces de police multijuridictionnelles destinées à faire respecter la loi et l'ordre au sein du nouvel ordre mondial. Là, le mot est lâché. Alors voilà, euh, je veux dire, là, on. On en tombe un peu à la renverse, puisqu'on a factuellement décrit des organismes et des organisations qui sont en train de préparer ce qui est appelé là le nouvel ordre mondial. Donc, ce qui veut bien dire que tout ça n'est absolument pas spécifique aux États-Unis, hein, mais que dans tous les autres pays du monde ou grands ensembles de pays du monde, hein, on pense quand même à la. La commission trilatérale qui a séparé le monde entre en trois grandes parties, le monde, le monde asiatique, européen et euh, des continents américains. Euh, donc voilà. Euh, donc s'il y a déjà des camps d'entraînement de ce genre aux États-Unis, on peut très bien supposer qu'il en, qu en existe dans bien d'autres dans bien pays. Même si on est toujours censé avoir des frontières, des drapeaux, des cultures différentes, mais il semblerait qu'il y ait quelque chose qui sursoit tout ça littéralement. Et là, on a quand même des éléments très, très concrets. On parle de cette force de police multijuridictionnelle. Je veux dire, ce n'est plus du délire, ce n'est plus de la théorie. Il faut savoir que les juges américains planchent actuellement sur le fait qu'ils puissent faire arrêter n'importe qui dans le monde. Voilà. Donc finalement, c'est à l'ordre ce, du jour. Voilà, vois. ce qui est finalement l'amorce qui ont constitué euh, les, les, le Patriot Act aux États-Unis à la suite du 11 septembre, où on pouvait littéralement débarquer chez n'importe qui euh, sans mandat judiciaire euh, et enfermer quelqu'un sans aucune charge contre lui uniquement parce qu'un soupçon de. Terrorisme, mais ça pourra être bien autre chose après. On pourra peut-être dire même un jour complotiste, oui, <laughs> voilà. Et donc, cette, ce, ce contexte du Patriot Act qu'on va peut-être retrouver en France aussi avec les événements récents qui se sont passés chez nous, on voit bien que quelque chose est en train de se resserrer au niveau des gens qui ne pensent pas tout à fait comme les autres. Donc on est là déjà factuellement dans ce qui pouvait paraître l'œuvre d'anticipation d'Orwell, que dans 1984, on va bientôt avoir une police de la pensée. Moi, je ne déduirais rien d'autre de ce genre de description. Euh, ils n'ont pas été en procès. Euh, c'est ça, oui, ça qui est extraordinaire, c'est qu'avec ce qui est affirmé dans ce livre-là, qui est sorti dans les années 90 aux États-Unis, on pourrait imaginer que tous les présidents euh, actuels, passés... Euh, se soit regroupés pour faire un procès en diffamation parce que là <laughs> à la limite, si on veut admettre que tout ça est faux en termes de diffamation, c'est quand même balèze. Mais il ne s'est strictement rien passé, c'est à dire qu'on a fait littéralement du côté du pouvoir en tout cas aux États-Unis comme si de rien s'était passé. Euh, sauf que quand même en justice, euh, il était impossible de pouvoir obtenir gain de cause, ou en tout cas de faire euh, établir ces faits-là, puisque tout de suite, le prétexte de la sécurité nationale coupait court à toute euh, continuation du, du processus judiciaire. Mmh. Voilà, donc ça, c'est important de le savoir. Mais euh, où on, on peut aussi imaginer que c'est tellement gros. Finalement, que ces gens-là, je parle des, des présidents et, et des gens de pouvoir là-bas, ne s'en inquiétaient pas plus, sachant que peu de gens, ou voire pas du tout de gens, euh, croiraient ce genre d'histoire. Euh, malheureusement pour eux, ça. A quand même créé une espèce de prise de conscience aux États-Unis qui est restée relativement timide. On ne parle pas de choses générales au niveau de tout le pays, mais dans tous les gens qui avaient été impactés déjà par des affaires de pédophilie, il y a eu cette prise de conscience qui s'est faite sur ces affirmations-là. Et je pense qu'il y a quand même un certain nombre d'Américains là-bas qui n'ont plus aucune illusion sur qui sont réellement les tenants du pouvoir, vraiment. On rappelle le titre du livre, L'Amérique en pleine transformation, écrit par Cathy O'Brien et Marc Phillips, et une suite à venir. Alors, la suite à venir, qui est euh, apparemment très attendue, euh, puisque les gens qui ont lu ce livre-là, euh, sachant qu'il y a une suite, veulent, veulent connaître la suite. Et donc, la suite, euh, autant euh, ici, on a le, le témoignage autobiographique de Cathy O'Brien euh, qui raconte son enfer. Et dans le deuxième opus, on va avoir euh, la suite de cette affaire, c'est-à-dire la fuite, entre guillemets, de Cathy et Marc à travers tous les États-Unis. Euh, pour échapper à leurs anciens, aux anciens bourreaux de Cathy, tout en essayant de diffuser le plus possible les informations qu'elle détient. Donc, ils sont amenés finalement à intervenir dans, dans pas mal de, de séminaires, de conférences. C'est-à-dire qu'ils rencontrent autant des, des professionnels de la psychiatrie, par exemple, ils rencontrent des, des professionnels de la justice et tout un tas d'autres gens de cet acabit. Mais ils sont aussi dans la, la tentative de, de sauver Kelly hein, ou quelque part de trouver en tout cas un moyen pour sortir Kelly de l'état de traumatisme technologique, comme je l'ai expliqué, c'est-à-dire de trouver d'autres moyens technologiques pour la sortir. Donc c'est aussi ce combat-là qui raconte plus. Euh, ça, ça paraît presque caricatural de le dire, mais l'histoire d'amour qui se noue entre Marc philippe et Cathy O'Brien, euh, qui débouche aussi sur euh, euh, comment dire ça, la relation de ces deux personnes qui n'avaient a priori rien pour avoir. se rencontrer et qui découvrent finalement dans leur relation euh, amoureuse quelque chose d'assez extraordinaire en termes humains. Hein, donc, euh, euh, c'est presque du Hollywood, mmh. sauf que c'est pas Hollywood qui l'a fait, euh, c'est vraiment du, du factuel euh, et raconté par des gens qui le vivent de l'intérieur. Donc, euh, euh, Cathy O'Brien et Marc Phillips eux-mêmes parlent du deuxième opus comme de l'antidote au premier. Hein, C'est-à-dire, quand vous avez traversé l'horreur de ce qu'est le récit de Cathy dans euh, l'Amérique en, en pleine transformation, euh, vous avez une, une nouvelle poussée d'espoir. En lisant le deuxième opus, qui devrait paraître très prochainement. Et il y a d'ailleurs dans tout ce deuxième opus un message d'espoir par rapport à l'horreur qu'on a connue dans le premier. Parce que, en finissant de lire le premier, je crois qu'on n'a plus aucune illusion sur rien du tout et qu'on pourrait très bien se dire que, Mais qu'est-ce qu'on peut faire Et en fait, il montre bien dans le deuxième qu'il y a quelque chose de possible et que l'esprit humain surtout, est plus fort que les mécanismes du cerveau. C'est-à-dire qu'on a vraiment cette idée qu'il y a autre chose de notre corps, ou quelque chose de différent de notre corps, qui porte véritablement notre esprit. Et là, ça ouvre quand même sur des tas de choses très intéressantes, qui pourraient déjà préfigurer, alors je vais dire de grands mots, mais l'arrivée la, d'une nouvelle façon de vivre sur cette planète. C'est moi qui le dis, c'est ma propre euh, projection dans l'avenir. Bon, les éditions Nouvelle Terre portent bien leur nom quand même, mais je sers ça finalement comme euh, euh, un thème de réflexion intéressant à tous les lecteurs qui auront ces livres entre les mains. Merci Pierre. Merci à toi Olivier.